Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur ma partie de difficiles aventures de Minecraft pour un nouveau chantier. Comme vous pouvez le voir devant moi, il y a quelque chose de nouveau et quelque chose qui est complètement en construction. Et au vu de la forme, vous avez peut-être déjà reconnu ce que ça va devenir. En fait, j'avais depuis le début l'intention de déplacer ma porte du Nether, parce que ici, dans cet espace, je la trouvais pas particulièrement adaptée, puis surtout je voyais pas trop comment décorer ça de manière sympa. Donc au début, je me suis dit je vais la reculer. Et puis, quitte à la reculer, j'ai repensé à mon projet dont je vous ai parlé de faire un petit cloître à cet endroit, et je me suis dit pourquoi ne pas intégrer la porte du Nether dans le cloître. Donc finalement, ça change un petit peu mon projet de cloître, hein, qui n'en sera plus vraiment un. Mais on va dire que ça va devenir un petit jardin public. Et puis j'ai envie de garder le côté colonnade. Donc j'ai fait ce cercle. C'est la première fois sur le village qu'il y a une architecture basée sur un cercle. Bien sûr, tout va changer de matériaux, hein. Les blocs de stone, là, ils sont juste là pour me donner une idée du cercle. J'ai pas mal terraformé pour obtenir cette petite pente douce de chaque bord, sur chaque bord du cercle. Et voilà, donc je vais réfléchir hors caméra au pattern que je vais donner. Je vais utiliser des matériaux que j'ai rapportés, donc j'ai fait beaucoup de sessions de collecte de quartz, hein. J'ai passé quelques heures à collecter du quartz, mais je devrais être tranquille. Je vais utiliser aussi de la pierre taillée moussue. Peut-être du sable, là j'en ai pas ramené assez, mais j'en ai encore dans ma salle des coffres. Peut-être du grès donc. En tout cas, je vais utiliser ça, j'en suis quasiment sûr, des feuilles de chêne, ou alors j'irai peut-être dans la jungle voir si les feuilles sont un petit peu plus vertes. Peut-être même aussi chercher des lianes. Voilà, j'ai envie de faire un mélange de quartz, de pierre et de végétaux. Donc, je sais pas encore exactement comment je vais agencer tout ça, mais je pense que je vous retrouverai avec un résultat qui, dès qu'il sera sympathique à montrer. J'avais envie aussi au départ d'utiliser un peu d'eau, puisqu'on a l'aqueduc qui arrive ici. Mais là, mon cercle, en fait, je vais pas pouvoir l'agrandir et j'ai peur que ce soit un petit peu petit pour mettre de l'eau. En fait, là, mon cercle, il est pile dans l'axe du beacon, vous voyez. Donc, quand on arrivera, hop, on arrivera pile dans l'axe également pour partir vers cet endroit-là du village qui sera aménagé plus tard. Et mon cercle, il se retrouve aussi pile dans l'axe de la gare. Et vous voyez que ça touche pile le chemin ici. Donc vraiment là j'ai fait le cercle le plus grand que je pouvais faire en conservant les proportions des chemins déjà placés dans le village. L'avantage de mettre le portail ici, c'est que ça sera aussi une arrivée au centre du village. Finalement, quand on arrivait ici, on était au centre de la base souterraine, donc c'était pas mal pour accéder à la salle des coffres. C'était un petit peu plus pénible pour remonter et accéder à la gare ou sortir dans le village. Là, en fait, en étant légèrement en dessous du niveau du sol, finalement, on peut partir directement, comme vous l'avez vu, dans la base, ou alors on peut partir vers les autres bâtiments. Donc, ça me paraît être une position sympathique pour la porte du Nether. Donc, je vais la mettre ici. En plus, ça change un petit peu. J'ai toujours placé la porte du Nether en souterrain. Chez Scarjack, elle est aussi en souterrain. Donc là, ça va faire une petite porte extérieure. J'espère que je ne serai pas trop embêté par les pigmen. Mais bon, depuis que j'ai fini la déco de la salle dans le Nether, comme c'est des demi-dalles, ils spawnent plus trop, donc on devrait être tranquille. Voilà, donc je vous retrouve dès que j'ai avancé sur la déco de ce nouvel espace. À tout à l'heure! Et on se retrouve sur cette plaine, jolie plaine que vous ne connaissez pas. Vous voyez mon point d'arrivée là, mon petit portail. Et en fait, c'est juste la frontière avec le biome jungle où je viens m'approvisionner parfois. Et donc là, comme je vous l'avais dit, j'ai envie de mettre un petit peu de vert dans mon entrée du portail du Nether. Et en fait, j'avais le choix soit avec des petits buissons comme ça, faits avec des feuilles de chêne, soit avec des feuilles d'acajou. Et je trouve que, vous voyez les feuilles d'acajou à droite, là,
bah je trouve qu'elles sont plus grosses, elles font plus denses. Donc, j'avais envie de vous montrer un petit peu le biome jungle, et donc j'en profite puisque de toute façon, je suis déjà passé pour récupérer quelques lianes, mais il me manquait un petit peu de feuilles d'acajou, donc voilà, avec la cisaille, ça va ultra rapidement. Faut juste faire attention parce que, bah, dans la jungle, le relief est pas vraiment notre meilleur allié. Et puis, faut faire attention aussi, enfin bon, ça c'est moins grave. Mais faut pas que je ramasse trop de feuilles de chêne déjà, parce que ça me sert pas à grand chose, et en plus faudra surtout pas que je les mette, comme ça m'est arrivé une fois. Faudra surtout pas que je les mette dans ma salle des coffres, parce que le filtre, le système de filtre, si vous vous rappelez, il est fait avec des feuilles de chêne. Donc si j'en mets dans le système, ça va bousiller tous mes filtres et je pourrai plus rien ranger correctement. Ça m'est arrivé une fois. Heureusement, le changement n'était pas généralisé, j'avais que quelques filtres à refaire et quelques objets à ranger au bon endroit, mais ça peut vite devenir un enfer. Donc voilà, la récolte est pas très passionnante, donc je vous retrouve dans quelques instants pour voir ce que donne ma nouvelle entrée et pour fignoler deux trois petits détails. Boum! Voilà, quand je vous parlais du relief. Pour finir les deux, trois petits détails avec vous et avec ces feuilles d'acajou. À tout de suite. Et on se retrouve. Alors, il y a quand même quelques pigmen qui passent, hein. Je vous avais dit que normalement il ne devrait pas y en avoir trop. Bah, il y en a quand même un petit peu. Enfin bon. Voilà ce que ça donne. Donc, j'ai terminé les petites colonnades en quartz. J'ai mis un petit peu de végétation. J'ai mis aussi de la pierre craquelée comme craquelée non, de la pierre moussue, voilà, c'est mieux. Et j'ai fait un petit accès comme ça. Donc quand on arrive depuis le fortin, voilà la vue, voilà ce que ça donne. Ah oui, il y a quelques lianes aussi qui vont progressivement grimper sur les piliers. Et si on descend, voilà, même si on passe là, on se fait pas mal. Bon, l'accès lui laisse à désirer. Mais c'est provisoire. Et puis de l'autre côté, quand on arrive, bah, vous avez vu à peu près hein, ce que ça donne. Ça donne ça. Alors il me restait, comme je vous l'avais dit, à changer, hein, parce que là j'avais des feuilles de chêne. Et je trouve qu'avec les feuilles d'acacia, ça rend plus vert, c'est un vert un petit peu plus fluo, un petit peu plus flashy. Et c'est un petit peu plus dense. Donc j'ai décidé de mettre plutôt des feuilles d'acajou. J'ai dit acacia, je crois, mais c'est bien acajou. Donc voilà. Et dans ce pattern, et ben en fait, mis à part, je dirais, cacher les lampes redstone avec du feuillage, ça je l'ai fait sur à peu près tous les côtés. Mis à part ça, j'ai pas vraiment de pattern, sauf là, j'en mets pas. Faut que ça fasse joli. Faut que ça fasse à peu près fouillis, à peu près naturel. J'en mets un petit peu comme ça. De toute façon, il pourrait y avoir quelques retouches, hein. C'est pas interdit de revenir plus tard là-dessus. En tout cas, voilà ce que ça donne. Juste vous montrer les petits détails, hein, pour le sommet de cette espèce de cercle de colonnade. Avec un peu de quartz gravé. Donc Scarjack m'a dit qu'il trouvait ça un petit peu romain, un petit peu plus romain que le reste de la map. C'est vrai. J'espère que ça jure pas trop avec le reste de déconstruction. N'hésitez pas à me dire hein, si vous trouvez que ça choque au milieu du village, cette architecture, ou si vous trouvez ça bien. Quelque part, si ça fait romain, ça peut aussi aller un petit peu avec l'aqueduc, bien que. Je sais pas si la construction de l'aqueduc soit vraiment très très romaine d'inspiration, mais au moins le principe de l'aqueduc est plutôt romain. Donc voilà ce que ça donne, ma nouvelle entrée, mon nouveau portail du Nether. Et puis comme je vous parlais de Scarjack, ça tombe bien, puisque normalement, après cette petite vidéo, on doit se retrouver avec Scarjack et on va commencer un projet d'usine. Et pour ce projet d'usine, on va avoir besoin d'un sacré coup de pelle.
et de pioche. Donc je vous dis à tout à l'heure et normalement ce sera avec Scarjack. On se retrouve dans le désert avec Scarjack. Salut! Et on a commencé à s'installer. Vous voyez, on a mis le beau beacon de Scarjack avec tout plein de fer. Ça va nous aider là parce qu'on a célérité. Et Scarjack trône sur de la TNT. T'as pas peur? Non, j'ai confiance. Même avec le briquet que j'ai au-dessus de là, que j'ai dans la main, j'ai confiance. Bah, surtout qu'il y a une colonne de TNT qui est en dessous, qui va jusqu'à la couche 15 environ, parce que pour créer notre petite tour à mob, hein, qui est notre nouveau projet, il faut qu'on fasse un trou. Un trou, un Et trou. ouais. On a mis d'ailleurs, enfin vous voyez là les blocs que j'ai mis, les blocs de stone, ça fait 23 sur 23. Et donc il va Ouais. falloir qu'on creuse ça. On a calculé, il va falloir qu'on aille jusqu'à la couche 15 à peu près. Et qu'on fasse le vide, parce que les mobs vont tomber de je sais plus combien de blocs de haut. Et en fait, si on la fait pas dans le ciel, c'est parce qu'on voudrait après faire la déco tout autour. Et l'idée qu'a eu Scarjack, c'est de faire une pyramide, c'est pour ça qu'on s'est mis dans le biome désert, une pyramide égyptienne au-dessus de la tour à mob. Donc voilà, c'est un gros gros projet, et là on a tout ce qu'il faut pour creuser. Bah, je te propose que t'allumes la mèche, hein. Allumons la mèche. Alors moi tu vois, je me suis mis en hauteur, barre-toi. Boum boum boum. Ah, y a un petit peu de délai là pour que ça creuse. Ah, c'est bête, je vois pas la suite. Hop. Bon, ça a l'air d'être fini. Il n'y a plus. Tout ça pour ça. C'est ça. Bon, bah voilà à peu près ce qu'il nous reste à creuser, hein, vous voyez. Bon, c'est déjà un petit peu un gruyère par ici parce que j'étais venu déjà chercher du grès il y a longtemps. Donc c'était déjà un peu un gruyère. Mais bon, il y a une faille aussi en dessous. Ouais, en creusant, je suis tombé sur une faille qui n'était pas du tout explorée. Pourtant, on y avait passé déjà pas mal d'heures dans le coin au tout début, quand on arrivait par notre première porte du Nether par laquelle on voulait venir pour que moi je puisse m'installer. Au début, c'était dans le biome savane, et puis finalement, ça me plaisait pas trop. Donc c'est là où, en fait, si on peut voir, on voit ma petite tour au loin. Ouais, je vais remonter parce que là j'étais encore dans le trou. Par où on remonte? Par là. Oui, c'est vrai, on vous a pas situé, mais là-bas on voit la tour de Scarjack. Donc on est... Bah, je t'en prie. Désolé, désolé. On n'est pas très très loin en fait, mais on voit même ta tour pour ton beacon. Ah oui, exact, exact, exact. Bon bah voilà, je crois qu'on a un gros 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 travail de creusement qui nous attend, et puis on va se retrouver dès qu'on aura avancé un peu pour vous montrer ce que ça donne ce très très large trou. À tout à l'heure. De creusement? Ouais, je sais pas si ça se dit, mais Je ça se dit pas. crois pas, non. Bon bah de creusage. Ouais. Allez, à tout à l'heure. Si on met le dispenser ici, ouais. Bah l'eau, elle ira que jusque-là. Ouais. Donc il faut qu'on raccourcisse un petit peu alors. Bah On fait ouais. un espace plus large en fait, Attends, comme ça. je vais regarder là, sa vidéo et Pierre. Ouais. Mais à mon avis, si on fait ça, c'est bon là. Du coup, on élargit un petit peu le passage, les monstres ils tomberont. De toute façon, faut qu'on élargisse parce que les araignées, de toute façon, elles auraient du mal à passer là, à mon avis. Où Enfin, là ça? c'est sûr. Bah là, tel que c'était creusé pour l'instant, les araignées ne pouvaient pas passer à certains endroits. C'était pas assez large. Alors, il faut qu'il y ait 15 blocs. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est bon. Voilà, ce côté-là est bon. Ouais, bah tous les côtés sont pareils. Là, j'ai fini de D'accord, creuser. ok. Ouais, c'était Donc là, ça en c'est... fait. Ouais, là, J'ai c'était ça. mal, j'avais pas bien compté. Donc du coup, on a la croix. On a Donc en fait, la cette croix-là, il place. faudra. Donc en fait, cette croix-là, je la changerai et je la mettrai en. En cobble? Non, en paquet d'ice. Ah oui, c'est vrai, oui, pour que ça glisse bien. Et du coup, on a nos 5 étages pour faire spawn les monstres. Donc il n'y a plus qu'à creuser la croix, c'est tout. Ouais.
On le filme? Je filme en fait là. Mais je te l'ai pas dit. Mais je trouvais que les explications étaient intéressantes. Ouais, le filmer, je sais pas, ça va être un peu long, je pense, à creuser le trou. Non, 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 mais juste explique, enfin, dire et expliquer ce qu'on a fait et ce qu'on va faire. Eh ben, c'est déjà fait. D'accord. Comme ça, c'est dans la boîte. T'as vu, même pas besoin de le dire. Ok, bon, bah, il n'y a plus qu'à. Et nous revoici. Alors, Scarjack est parti. Mais on a bien, 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 bien avancé, bien creusé. Regardez-moi ça un peu. On a placé nos 5 étages pour que les monstres spawnent avec de la packet eyes. J'ai refait un petit aller-retour parce qu'on n'en avait pas assez. Et vous voyez, ça spawn déjà alors que pour l'instant c'est encore bien, bien éclairé. Non, tu te caches. Où vas-tu, où vas-tu, où vas-tu? Et vous voyez que les monstres, bah voilà, quand ils tombent, ils crèvent. J'ai même pu faire l'expérience avec les araignées. Elles ont voulu m'attaquer et elles sont tombées toutes seules et elles sont mortes. On a creusé en X en fait pour économiser un petit peu parce que là déjà rien que creuser cette hauteur-là, ce cube ici là, ça nous a pris pas mal de temps et d'énergie. Donc on a creusé juste en croix. On est tombé sur une faille. C'est pour ça que là-bas, vous voyez, c'est un petit peu plus dégagé. Enfin, de toute façon, on vous emmènera en bas tout à l'heure parce qu'il va falloir qu'on y aménage notre système de récupération des loots. Ah, un petit creeper. Tac. Enfin bon, tout est loin d'être éclairé, mais vous voyez, ça spawn déjà. Et puis, les araignées, c'était notre crainte, mais les araignées, a priori, d'après ce que j'ai vu, elles ne s'accrochent pas au mur quand elles tombent. Donc, si elles s'accrochent pas au mur, et ben, elles vont bien finir en bas, quoi, comme tous les autres monstres. Là aussi, il y a seulement deux hauteurs pour que les Endermen ne popent pas. Et au-dessus, vous voyez, il y a des dalles, donc même si on n'éclaire pas, ça ne popera pas. Voilà, donc je pense qu'on va bien avancer ensuite dans le système Redstone avec Scarjack. Donc je vous retrouve, on vous retrouve dès qu'on a avancé là-dessus. À tout à l'heure. Comme promis, nous voici tout en bas de la grotte, enfin. Oui, on peut dire grotte parce que comme vous voyez, on est envahi par les chauves-souris. En tout cas, voilà, donc depuis que je vous ai montré le sommet, j'ai creusé la base. Donc pour l'instant, comme a priori les araignées continuent à bien tomber, eh ben on va laisser cette partie-là du X qui en fait n'est pas indispensable, enfin on n'a pas besoin de le creuser si les araignées ne s'accrochent pas au mur, on verra à l'usage. Par contre, pour la base, j'ai tout creusé parce que, comme vous voyez, pour utiliser les minecarts, c'est quand même plus pratique si on a une base carrée plutôt que une croix, un X. Donc j'ai, au péril de ma vie, enlevé l'échelle qui était ici, qui permettait de monter quand on a creusé. J'ai déporté l'accès un petit peu plus loin. Il va falloir que je voie avec Scarjack si on laisse l'accès au sommet ici. Ça va dépendre un petit peu de comment on va décorer en surface. Mais malheureusement ça sera pas pour cet épisode parce qu'il y a encore énormément de boulot sur cette tour à mob. Donc je voulais qu'on se quitte en vous montrant simplement le système pour récupérer les items. Donc voilà ce que j'ai fait, un prototype. Je verrai avec Scarjack si. Et puis on fera des tests hein, pour voir si ça fonctionne aussi. Si on le duplique ou du moins si on l'étend sur toute la surface. En tout cas, c'est très simple. Il y a un wagonnet qui fait tout le tour avec un hopper dessus. S'il est plein, enfin s'il est vide, bah il repart. Et s'il est plein, il s'arrête grâce à ce système universel de comparaison que j'ai déjà utilisé plein de fois. Un comparateur, ça inverse le signal, ça l'arrête. Et puis les items se retrouvent dans cet entonnoir. Je vais faire un petit test. Hop. Ouh, j'ai pas réfléchi, j'ai balancé mon épée. J'espère bien qu'il va me la rendre parce que j'ai pas envie de la perdre. Tac, il s'arrête. Ça va très très vite. Et normalement, voilà. Mon épée, oui, mon épée qui a changé de nom, justice. Je sais plus si je vous l'avais dit, mais j'ai perdu tout mon stuff un jour alors que j'étais en train de farmer, j'étais AFK en train de farmer. Et dans ma base, donc l'endroit safe par excellence, et en fait un monstre m'a tué. Donc j'ai refait tout mon stuff, hein, mais bon, il y a rien de Picoran 2, voilà. Il y a rien d'extraordinaire. Juste une dernière chose, vous avez vu, j'ai balancé mon item sur les dalles, mais le hopper peut les absorber.
Et en plus, ça évitera que ça spawn, puisque bah, quand tu auras des rails partout, il n'y aura plus de torches, mais avec les demi-nalles, il n'y aura pas de monstres qui pourront spawner en bas. Voilà, donc après, une fois le système de hopper relié de chaque côté de la salle, eh bien ici on aura un dispenseur qui permettra de les éjecter dans une colonne de flotte. Et à peu près ici, là, on aura un ascenseur à items avec des blocs de verre, on vous montrera ça. Et tout en haut, il y aura un système de salle des coffres avec un système de tri. On gardera pas tous les objets que les mobs vont looter, on gardera juste ce qui nous intéresse, à savoir essentiellement la gunpowder, la glowstone des sorcières, la redstone, et puis un peu d'os, un peu de choses comme ça. Surtout qu'on est proche de la base de Scarjack, donc il a besoin d'éléments qui sont pas forcément. Vous voyez que ça se pose là-bas. Qui sont pas forcément proches de lui dans les autres usines qui sont plus proches de ma base. Voilà, donc cette vidéo pourrait s'achever ici, même si le projet est loin d'être terminé. On verra dans un prochain épisode la suite de la tour à mob. Je dis bien pourrait, parce qu'en fait, je voudrais. Non, reste là, le hopper. J'ai vu un petit squelette. Voilà. Je voudrais, en guise de petit bonus, vous montrer à nouveau ma base, mais sous un jour un petit peu différent. Donc on se retrouve tout de suite dans ma base pour un petit bonus. On se retrouve dans ma demeure qui est toujours pas aménagée, mais avec le petit bonus avec les shaders. Et regardez ce que ça donne avec ce lever de soleil, hein. Je viens juste de dormir pour activer la journée. Et ça rend super bien. Là, on était un petit peu aveuglé par le soleil. Mais regardez un peu ce que ça donne. Donc, on va pouvoir aller revisiter un tout petit peu le village avec ces nouveaux shaders. En intérieur, ça rend un petit peu moins bien. Donc, pour l'instant, on va se contenter de l'extérieur. Bon, là, l'eau, il y a quelques petits reflets qui sont un petit peu exagérés, je dirais. Mais, regardez, ça rend quand même super bien. Bon, je vous cache pas que ça rame un petit peu. Vous devez vous en rendre compte aussi, vous. Même si la vidéo va lisser un petit peu les chutes de framerate, moi là je tourne à peu près à 20 FPS alors que d'habitude je suis à 120 quoi, quand j'enregistre pas. Il y a mon ombre aussi, c'est rigolo. Donc voilà le rendu. Les shaders, ça améliore tout de suite hein, les constructions, hein. Ça permet aussi de faire du beau avec du moche. Mais bon, je vous ai montré tout sans shader, donc je pense que vous savez à quoi ça ressemble. Et là, c'est pas moche du tout, hein. Avec les shaders, ça renforce les reliefs. On va prendre un peu de recul. Bon, là, on est à contre-jour, mais au moins, le contre-jour se voit. Ouais, ça rend pas mal, hein. Ça rend pas mal. Ah, les petits reflets, c'est assez sympa. Ah, on se voit pas, nous, par contre. Ah, c'est dommage. Voilà ce que ça donne pour la petite entrée toute récente. Alors, il y a encore des bugs, hein, bien sûr. Là, ça va, ah, si, c'est bizarre. Il n'y a pas la transparence, ouais, de la porte. Les reflets sur l'eau. J'ai dû diminuer un petit peu la distance d'affichage hein, pour que ça rame pas trop. Mais l'avantage c'est que vous voyez les montagnes au fond là, ça les met dans la brume et ça c'est assez réaliste et ça rend tout de suite bien, ça rajoute beaucoup de profondeur. C'est-à-dire que même si j'ai diminué la distance d'affichage, ça rend quand même bien alors que dans Minecraft de base, et là je viens de tomber dans l'eau, dans Minecraft de base, dès qu'on diminue la distance d'affichage, ça fait un peu ridicule. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, ce petit épisode consacré, eh bien, à l'entrée de la porte du Nether, à la construction de la tour à mob. N'hésitez pas à faire part de vos commentaires, de vos remarques, si vous avez des conseils. Oh non, encore un pigman! Et puis, n'hésitez pas à commenter aussi, dire si vous aimez, ça fait toujours plaisir. Ah, un petit reflet là, tac, on se fait aveugler. Bon, voilà, donc c'est sur cette jolie vue avec les shaders qu'on va se quitter. Ah si, je vous ai pas montré aussi par ici.
Donc le petit fortin classique. Puis la maison, mais là on va être à... Allez, on va... J'aurais dû vous montrer plus tôt. Parce que là, je vais essayer de pas tomber. Ouais, si, ça rend bien aussi, hein. Ça rend bien. Allez, pas. Ah non! Je suis tombé dans le... Dans l'accès. Bon, ça charge mal les chunks par ici. Je vais monter, hop. Voilà, ça rend pas trop mal, mais là je manque un peu de recul. Est-ce que j'ai... Non, j'ai pas de bloc sur moi. En tout cas, on va se laisser ici, donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et sûrement la fin de la construction de la tour à mobs. Allez. Ah oui, regardez le bug. Le beacon, lui, il est tout buggé. Ah bon, on peut rentrer à l'intérieur, ça fait des jolis effets aussi. Bah décidément, cette vidéo ne s'arrête plus. Ouais, si, les reliefs là, enfin la transparence avec le verre, ça rend très 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 bien. Allez, à très bientôt. Salut, salut!